Alors, on ne peut pas concevoir les fêtes de Pâques sans chocolat. Laurent, d'Office de tourisme de Loire-Forêt, dans cette période difficile de confinement, vous avez imaginé donc un scénario. Donc, expliquez-nous ce que vous avez imaginé. Eh bien, tout simplement, dans le cadre de l'événement C'est tout chocolat qui a lieu tous les ans au mois de novembre à Saint-Lucien-en-Berre, on a en référence eh bien, beaucoup d'artisans chocolatiers du territoire et même d'ailleurs, dont on a les contacts. Eh bien, tout simplement, on leur a proposé de se manifester sur comment ils assuraient le service de chocolat pour Pâques, avec toutes les mesures d'hygiène et de confinement et autres que l'on peut connaître actuellement. Donc tout simplement, on se rend compte que tous jouent le jeu sans exception, c'est-à-dire qu'ils assurent tous un service de production de chocolat avec soit la mise en place de drive, mise en place de livraison également, ou alors pour certains qui ont cette possibilité, ouverture des boutiques toujours, mais dans le respect de toutes les consignes. L'Office de tourisme, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez recensé, vous avez mis un lien, vous avez créé donc un lien entre tous ces chocolatiers? Alors, il y a une newsletter qui est partie auprès de bon nombre de visiteurs du salon qui s'étaient manifestés en communiquant leur adresse mail. Sur les réseaux sociaux également, alors C'est tout chocolat bénéficie d'une page Facebook et puis sur le site internet de C'est tout chocolat, www.cettoutchocolat.fr, on publie également donc la liste de tous les artisans chocolatiers et de la manière dont on peut se procurer des chocolats artisanaux chez eux. Vous touchez combien d'artisans? Oh, il y en a une bonne vingtaine sur le territoire et puis au-delà, ça va même jusqu'à Lyon, hein. On a Florent Thévenon notamment qui est chocolatier à Lyon, mais qui arrive à livrer jusqu'à Saint-Just-en-Rambert également et Montbrison. Donc c'est plutôt bien organisé. Alors, au-delà de cette opération chocolat de l'Office de tourisme de Loire-Forêt, comment vous organisez l'Office de tourisme dans cette période difficile? Je suppose que c'est fermé, que vous avez des contacts téléphoniques, on peut vous joindre par Internet, par les réseaux sociaux? Ah oui, tout à fait, oui, on est encore très actif. Tout le monde travaille chez soi, hein, mais on se concerte très régulièrement via visioconférence notamment. Le standard est ouvert, on a des collègues qui prennent des appels, qui répondent aux mails, qui animent les réseaux sociaux. Non, tout fonctionne. Et puis la grande difficulté, mais nous ne sommes pas seuls face à ça, c'est l'incertitude de l'évolution. Donc on vit au fil de l'eau et puis on suit les actualités et les consignes que l'on reçoit. Et vous vous adaptez. Et on s'adapte. Merci Laurent. Et puis eh Mais je vous ben, en prie, merci à vous. à bientôt, on espère, pour se voir À très physiquement et puis bientôt manger du et joyeuses chocolat. Pâques. Voilà, merci.